Bon, ben bonjour tout le monde, et bienvenue pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je fais le troisième épisode de Cat Tales. Je sais pas si je vais en faire beaucoup encore parce que j'ai trouvé que la dernière fois, j'ai pas assez avancé pour avoir de l'intérêt pour continuer, même si j'aime les simulations de chat et tout ça. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas l'impression que je suis vraiment dans une simulation de chat, mais plus dans une simulation qui fait allonger les choses, tu sais. C'est comme, oui, c'est le fun, oui, c'est bien, mais j'aime ça avoir, c'est les subtilités d'histoire qui avancent, tu sais. C'est comme que là, c'est comme trop basé sur la simulation, c'est pas très, comment dire, c'est pas très focusé, dans le fond, que c'est sur la mentalité du chat. Dans le fond, qu'est-ce que moi, dans le fond, qui m'intéresse dans les jeux de chat, c'est vraiment la mentalité du chat, tu sais. Mais par contre, c'est quand même bien, tu sais, comme pour. Pas que pour, enfin, que c'est les activités que le chat fait, mais pas pour la modalité. Fait que c'est comme ça qu'il est un petit peu pour la. Fait que pour l'instant, enfin, comme ma critique pour Cattel, c'est pas mal ça. Mais genre, peut-être, enfin, comme que ça va changer plus que je vais jouer. Fait que enfin, comme que c'est pour ça que je laisse encore une chance ou deux au jeu. Puis après ça, c'est peut-être que ça marche pas bien, mais je vais changer de jeu. Fait que. Mais. Pour l'instant, peut-être que ça va être très bien, puis que peut-être enfin, comme que, à partir de cet épisode-là, comme que toute une voix va, fait que toute une voix va s'éclairer pour moi, puis dire waouh, c'est écœurant comme jeu. Mais comme pour l'instant, c'est très bien, mais j'ai pas l'impression d'avancer comme personne, puis moi, ben, c'est important dans les jeux que j'ai que j'aie l'impression d'avancer, sinon je passe à autre chose. Vous comprenez. D'ailleurs, vous comprenez un peu le concept, là. Fait que, let's go. Et allons-y pour le troisième épisode de Cat Tales. Library. Ah, pas full screen. Petit bug. Voilà, parfait. Ok. Bonne manette. Play. J'avais vu des. Oh, intéressant. Vraiment utile pour fouiller dans la cave. Mais pour l'instant, je vais essayer de me donner un look là. Il n'y a pas de quoi pour les clats. Ah, c'était pas lui qui vendait ça. Hein. Ok. J'ai acheté, mais je peux vous le mettre. Là, j'ai mon petit collier. C'est pas un collier anti-puce, mais c'est un collier. Là, je vais voir le chat. Là,
comme un câble, j'avais pas mis un full screen. Mole cash, c'est ça que je l'ai. Bon, on les grenouilles là. C'est vrai qu'il n'y a aucune proie. J'ai plus éponger les grenouilles, mais là il n'y en a pas nulle part. Puis le temps, pour une bonne journée, avance beaucoup trop vite. Ça aussi, ça casse un peu l'expérience. Ça me laisse pas le temps d'accomplir une journée là, de chasse comme du monde. L'herbe à chat, c'est ça que je le veux. Ah, une grenouille, c'est ça que je veux. Ah, c'est... Nice. Il manque une autre. Bon, là c'est la grenouille.
Je peux pas traverser à cause du courant. Je vais comme préparer ma prochaine journée pour aller dans le tunnel. Ah, excellent. On va tomber en hiver, j'imagine, là. Vu qu'on a le 7e jour d'automne. Non, on n'a pas encore l'hiver. Voilà la mine. Oh, mais j'ai pas assez de bouffe sur moi. Ça, je l'ai. Une chauve-souris comme animal domestique, mais c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est ça.
Vivant ça en milieu. Je vais descendre niveau 50. C'est pas atteindre le niveau 50. Yeah.
Fuck you. Reste deux énergies. J'ai pas le choix, là, il me reste un énergie. Je vais mourir si je me rends là. Donc, il y a encore un choix, une mission. Calice.
Bon. Elle va battre mon territoire, sinon. Ça n'a pas trop de terrain. Là. Fuck. Ah, c'est vraiment pas ma journée, hein. Ah, c'est où ça là? Je suis rendu à 4 de relations. C'est bien. Bon, là je peux vendre mes roches. Ok. Donc c'est pas lui qui veut mes roches, c'est l'autre qui veut. Ok. Il faut que je retourne à la mine. Je vais acheter un petit peu là, parce que je suis pas mal sûr qu'en hiver ça va être plus dur de trouver de la bouffe là. L'hiver arrive bientôt.
Un chat sur mon territoire. Une patte, c'est... Alors, quoi de la religion, mais... Trois truites, puis un quatre fiches. Il y a quelque part, ça. Okay. 200 games. Okay. De votre bord. Curé de marde.
Asti. C'est bon. T'es comme tellement dans la lune que j'ai failli perdre conscience. Non, oh, là on a la bataille.
festival d'automne. Je vais voir. C'est quoi qu'il y a de spécial au festival? Regardez c'est quoi le jeu. Bah. Ah bah. Creuser en forme comme les citrouilles. En fait des fois que la colanteur. Je l'ai gagné. Yes! En plus, moi je suis le plus badass, j'ai un collier. Creuser. Fuck. Chris. Thank you.
Yes. Ah, encore la même compétition. Ouais, mon lastier. Dragonfly, ok. Oh, un blue clay. J'ai pas l'espace. Et là, mon pet Dragonfly, je peux quand même l'utiliser. Écoute, j'ai acheté un pet Dragonfly, new.
C'est. Oh, un univers. Ok. Une bouffe, il n'y a pas assez de bouffe.
Sérieux? Nice. C'est la même chose qu'avant. OK. OK. C'est comme on fait pas frileux. Pas sérieux.
Je vais aller dans la mine. Je vais essayer de ramasser. Ah, cette petite cave. Bon. Je vais aller dans la mine d'abord. Planté. Essayer de l'avoir. Ouais, j'essaie d'être le plus creux possible pour avancer des meilleurs minéraux. Ok. Bah. Bah.
Bon. Il reste 16 étages. Plus que 15. Plus que 15. Ok, 13 étages. Onze étages. Neuf étages. Je suis quasiment rendu. Thank you.
Ah, si, je me suis endormi. Ah, si. Atteigne un tout, j'ai pas mal tout échappé. Bon, au moins j'apprends à avoir le combat, mais là je me suis endormi, ce qui m'a tué dans la cave. Que je vais vraiment, je pense y aller dans pas long, je vais me coucher. Dans la vraie vie, je parle là. Dans le jeu aussi, parce que dans le jeu c'est le conseil, là. Chris.
À part les bleuets, il y a strictement rien qui a survécu. Je vais aller me coucher parce que là j'ai plus d'énergie. C'est la fois que ça m'a même tué dans la cave. Alors que dans la cave j'aurais dû être en train de bouger, mais c'est comme en mode zombie, tu sais, que entre endormi et réveillé. Donc c'est ça qui est ça. Donc en espérant que vous avez aimé que j'avais vu aujourd'hui. Parce que moi j'ai pas tellement avancé aujourd'hui. Fait que si dans le prochain épisode c'est la même chose. Mais il y a de fortes chances que j'arrête la série au quatrième épisode. C'est un peu dommage parce qu'en réalité, le contexte de la simulation est bonne, mais il n'y a pas vraiment d'histoire à suivre. C'est ça qui est un peu triste. C'est comme, oui, il faut créer son histoire, mais ça prend tellement d'efforts pour rien. Parce que des chats, ça vit quand même du drame. Là. Donc, dans la nature, même quand un chat vit dans une colonie, normalement, ça devrait avoir quand même des histoires. Si ce n'est que des chicanes, mais au moins, ils doivent quand même avoir des histoires tout le temps. Là. Comme des choses, c'est comme tout le temps interactif mentalement. Puis, c'est pas vrai que ça prend des ruines, que ça prend des runes pour pouvoir activer une histoire, ou bien que ton chat doit absolument être en couple pour pouvoir avoir se mater pour pouvoir avoir une histoire. Non, non, tu sais, comme il y a comme des tonnes de circonstances qui font en dehors du territoire, en dehors du couple, tout ça. La fois qu'ils vont en dehors, la fois qu'on a de la guerre de contrôle qui fait que tu peux avoir une histoire entre les chats, là, t'sais. Parce qu'après tout, les chats, c'est quand même, c'est des espèces coopératives. C'est contrairement à la croyance populaire qui vivent tout seul dans leur coin, là. Ça, c'est pas vrai. Ça, la fois, c'est un mythe. Mais les chats, en tant que tels, c'est comme que ça l'aime bien. C'est l'interaction avec d'autres espèces. Puis bien entendu, comme quand ils ont faim, ce qu'ils vont dans le fond, comme que c'est genre dans le fond, comme que chasser les autres espèces, mais en tant que tel, les chats, ça aime bien savoir. C'est comme passer dans le fond de bons moments. Donc, c'est pas nécessairement de l'amusement, mais ils ont quand même des activités de groupe à faire. C'est comme pas juste aller chasser et puis aller défendre son territoire. Ça va plus loin que ça, la vie d'un chat. C'est comme ça que je trouve un peu plate dans le jeu. Mais au moins, c'est quand même mieux que beaucoup d'autres jeux par rapport au chat. Donc, je vais laisser une dernière chance à ce jeu-là pour un quatrième épisode. Puis si au quatrième épisode, ça ne s'améliore pas, mais ça va être le dernier. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que si dans le fond que vous avez aimé que j'ai vu aujourd'hui, faites la fois vous cliquez sur follow juste dessus. Puis pour ceux qui sont sur YouTube en train de regarder la rediffusion, faites la fois vous cliquez sur souscrire juste en dessous. Fait que je reviens en théorie demain ou dans quelques jours. Mais en théorie demain, ça va dépendre à quelle heure que ça va dépendre à quelle heure que moi la fois que j'aurai fini d'écrire. Fait que, ouais, il y a pas la caméra d'ici. Fait que, c'est ça que ça. Fait que, bonne nuit tout le monde!